est aléatoire dans ce mode Zelda Twilight Princess. Le contenu des coffres, les musiques, l'emplacement des armes, objets, clés, insectes, spectres, bref, vous comprendrez très très vite. Le but principal est de finir le jeu, mais pour accéder à la fin, il faut terminer le temple du désert, du ciel et de l'ombre. Et pour ce faire, on aura besoin de beaucoup d'objets comme Excalibur de lumière ou le double grappin, qui eux sont des objets strictement obligatoires. Si la vidéo finit par vous plaire, n'oubliez surtout pas de vous abonner, on rush les 150 000 abonnés en ce moment. Allez, bonne vidéo, let's go! Comment on s'appelle les gars? Ok, je vais mettre Jules Gland, Ok, ok, non, Jules Gland ça va. Ça rend pile poil, c'est le destin les gars. Comment on appelle Epona maintenant? Enfin, moi personnellement, j'aimerais bien chevaucher Josplay, tu vois, mais... Allez, Josplay va être ma jument, let's go! Carrément, on a la musique de combat alors qu'on est dans la maison de Link, vous avez vu? Mais par contre, c'est un peu perturbant du coup. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a de la thune, ça fait plaisir. Oh, jure, on a la lanterne! Alors ça, mais c'est une dinguerie. Alors parce qu'en fait, sans la lanterne ici, en fait, si vous voulez, il y a un coffre. Il est juste ici, là. Et sans la lanterne, on peut pas l'ouvrir. Et là, maintenant que j'ai la lanterne, je peux ouvrir ce coffre, du coup. Et ça me donne un check en plus. C'est incroyable. Le jeu a été fait pour. Ok, bon, c'est un rubis, c'est pas très grave. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de checks avec les... avec des rubis dans Twilight Princess. On va voir ce que ça donne. Vraiment, les musiques random me mettent trop bien. Tiens là, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre, c'est ça là? Oh, jure, il y a Josplay, ma jument. Attends, je ride Josplay vite fait. On va acheter le lait, il est lent ce lait. Ok. Ok, donc c'est totalement aléatoire. Alors, c'est pas aléatoire d'apparence, mais c'est bel et bien aléatoire. C'est pour Celestia? Ouais, grâce à ça, on va pouvoir rentrer sur Celestia. Ok, ok, donc alors c'est pas. Ça a pas l'air d'être aléatoire. Je vais acheter les larves aussi, du coup, on va voir. C'est nul à chier, c'est un fragment de cœur. Ok, c'est pas grave. Huile. Ah ouais, mais non, c'est pas Stonks là. Non, mais c'est grave, j'ai acheté un NFT à 20€ et en fait, il se revend à 5€ seulement. Je connais quelques tricks pour choper des rubis juste ici. Alors attendez, ici on peut sauter, grab ça, voilà. Et ensuite on ressaute ici, voilà. Et juste derrière il y a des rubis. Voilà. On aspironne le jeu, nous. Oui, on peut le dire, on peut le dire. Attends, pourquoi il y a un coffre ici? Canne à pêche? Ok. Oh lui. Lui, me dites pas, c'est pas le mec, vous savez, la colère dans Vice Versa. C'est lui, non? Il faut savoir qu'avec le randomizer, il y a certains moments du jeu qui vont être considérés comme déjà faits. En fait, c'est pour rendre le jeu un peu plus dynamique. Et pareil, on commence direct avec la tunique verte, alors que... normalement, on est censé commencer avec une tunique différente, quoi. Il y a un coffre, là. Ouais, mais là, le problème, c'est comment t'y vas, à ce coffre? Est-ce que je peux le fight? Est-ce que je peux le fight? Oh, let's go! On va se fighter! À nous deux, frérot. C'est le mec qui retrousse ses manches alors qu'il a, déjà un t-shirt à manches courtes. Excusez-moi, excusez-moi, fallait que je rajoute un peu de... Il fallait que je dramatise un peu le coup de... Oh lui, le fiac du... Waouh. Excusez-moi. Gros punch, allez, on spam. Là. Ok, faut qu'on fasse ça une deuxième fois. Oh, il a dodge ma tarte, le bâtard. Ok, ok, je l'ai dodge. Ok, là j'esquive, droite, droite. Ça, il m'a chopé. Grosse droite, dans sa gueule. Spam A. Yes. Ok, on a une bonne RNG là. On a une bonne RNG, c'était assez rapide. Ok, ouvrons ce coffre. Les bottes de plomb. Eh ben non, parce que c'est lent. Bah ici, je le rappelle, c'est l'endroit où on est censé choper les bottes de plomb, mais du coup on a un rubis. Donc attends, comment on fait pour arriver à ce coffre? Je sais pas. Hein. Prendre la poule avec l'oiseau. Ah ouais, sérieux? Sérieusement? C'est vraiment ça qu'il faut faire? On me dit de la ramène. Genre là. What? What the fuck? Tu peux faire ça avec l'aigle? Alors putain, heureusement qu'il y a des... What? Oh. Mais non, ça nous a spoil. Mec, quand on a ouvert l'épée en bois, elle s'est mise dans notre dos avant même qu'on ait vu l'item. Merde, on s'est fait spoil. Mais on a une épée. Alors, je sais pas si on aurait pu passer des décennies sans épée. No joke, je crois qu'on est très très chanceux. Ok, on fait rentrer les goats. Il y a que moi. Pourquoi je suis en 20 là? Putain, trop chiant. Faut que je me fasse rentrer dans l'écurie quoi. Il y a des goats de partout quoi. Putain. Encore 8 goats quoi. Encore 8 Julgan à faire rentrer. Trop relou. Ok. Normalement, les speedrunners, ils le font en 20 secondes. Jure, c'était un check quand même. Ah bah on a bien fait de le faire. What? Ok, il y a un coffre, je sais pas trop pourquoi. Je sais que quand tu vas parler au mec aussi, normalement c'est lui qui te donne la lanterne. Waouh, un rubis, on va en avoir beaucoup des rubis hein. On va en avoir énormément. Alors est-ce que quand on lui parle, il nous donne un truc? Je vends le flacon plein d'huile. Je vais acheter le flacon pour 100 balles. C'est pas Stonks du tout les gars. Waouh, j'ai acheté des bitcoins pour 100€, on me redonne, je l'ai revendu à 5€. Chiche. Ah ouais, je me suis fait baiser là. Sachez que je compte faire tous les Zelda 3D en randomizer, que ce soit Twilight Princess, Skyward Sword, Majora's Mask. On les fera tous, ok? On les fera tous. Ok, il y a un coffre ici. What? Shadow Crystal? Oh! Mais non! Mais attends, mais c'est incroyable! C'est le truc qui va dans notre tête et ça nous permet de se transformer en loup à tout moment. Mais attends, mais c'est le meilleur item? Oh là 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 là! Et on peut stepper. Mais mec, mais c'est aberrant par contre. Attends, mais... Donc là, en mode, si on appelle... C'est trop fort. Je veux me téléporter. Oh! C'est ultra OP. Comment ça, on a déjà tous les endroits? Mais c'est trop cheaté! Mais attends, mais on a eu le meilleur item du jeu! Attends, mais c'est aberrant, j'ai tous les portails! Bon, écoutez, on va faire le donjon, hein. Je crois qu'il y a un autre check si on allume les torches, non? Eh, il y en a dans le ciboulot, il y en a dans le ciboulot.
Je me rappelle, bah, j'ai fait le jeu à 100%. TPHD, je l'ai fait à 100%. J'avais fait tous les tampons et tout. J'avais fait toutes les âmes, tous les insectes que j'avais envoyé à Macaron. Ah bah voilà, en parlant des âmes. Et alors, est-ce que si on tue ces mecs-là, est-ce qu'ils vont nous donner des trucs? Je pense pas, mais je vais checker, on va voir. C'est même aléatoire! Oh, je suis refait! Let's go! Oh, ça, c'est trop cool! Oh, ça, c'est vraiment très cool! Donc, même ça, c'est aléatoire. Je vais remplir ma... Voilà, voilà, au calme. Voilà. Et alors, j'ai pas de flacon pour le moment, malheureusement. Donc, je vais juste faire ça, et ensuite, je vais m'en aller comme un voleur. Voilà, en fait. Alors, je crois... Alors, visiblement, ils me disent qu'il y a un coffre ici. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais... Ah oui, je me rappelle ce coffre, en effet. Allez, une dingue... Non, mais mec, par contre, je suis refait... Non, mais... No joke. Mais mec, mais c'est quoi? C'est quoi ma log? Alors non seulement j'ai eu l'item qui débloque le plus de trucs au tout début, et là j'ai eu l'item avec lequel on va pouvoir faire des glitches. C'est aberrant. On va pouvoir faire des long jumps. Vous avez vu, en fait, on peut faire des gros long jumps comme ça. Vous avez vu, et en fait, avec ces gros long jumps, on peut faire des dingueries. On peut skip énormément de trucs. Mais attends, mais du coup, on peut faire le temple, en fait. En vrai, je suis content. Eh, pour l'instant, on s'est pas tapé énormément de rubis. Franchement, on s'en sort pas mal. Hein. Attends, mais mec, non seulement on a la lanterne, mais attends, mais mec, on a tout. C'est une dinguerie. Hein. Oh, il y a Baba the Hut ici, non? Baba, il est dans le pot toujours, non? Baba est monstrueux. Hein. C'est l'un des meilleurs persos. Hein. Si ce n'est le meilleur perso de tout Zelda confondu. Est-ce que Baba est aléatoire? Non, Baba, tu es devenu un rubis. Je crois que ici on peut faire un SDF, un skip de fou. Alors je sais plus comment on fait le SDF, mais je crois que c'est comme ça. Oh là 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 là, alors là, SDF les gars, vous avez vu ce que j'ai fait? Par contre on n'a pas la clé du boss je crois. Attendez, on est d'accord, j'ai pas la clé du boss? Ah c'est dommage, il y a un autre coffre ou pas dans cette room? Je crois qu'il est caché quelque part dans l'eau. Ah c'est ici, nickel, on l'a trouvé. Oh là là, et alors là, c'est un bouclier il y a. Non, bouclier en bois c'est ça? Oh, compass, ok, bah là au moins c'est cool. Nickel, la boussole c'est exactement ce qu'il nous fallait, comme ça au moins on pourra pas rater un seul coffre. Ah là faut ramener les... Y a pas une bombe ici qu'on peut ramener? Comment on fait pour péter ces rochers? Attends, il faut vraiment qu'on ait les bombes nous-mêmes ou... Où y a une... Attends, je crois qu'il y a une bombe sur patte à un endroit. Ah bah elle est juste ici, je suis con. Elle est juste là, qui est la bombe. Hop, on la pose là. Et du coup, il y a deux coffres ici, j'ai l'impression. Ok, bah là, ça allait beaucoup plus vite, en tout cas, maintenant qu'on a la boussole. Oh attends, mais c'est trop grave. C'est quoi ma chance? Non, j'ai juré, c'est trop... C'est ultra grave. C'est gravissime. Je crois que normalement, on est censé se taper plein de... Let's go, on a retrouvé Baba. Wouh. Alors attends, je vois, ma boussole me dit qu'il y a... Ah, il est juste ici, ok, on va grimper. On va prendre tous les coffres hein, du donjon. Je suis trop refait, les gars, on a des items de malade. On a une épée, on a le Gale Boomerang, on a les bottes de plomb. Je suis trop refait. Mais non, mais... Enfin, j'ai envie de dire que demande le peuple, en fait. Genre, arrêtez de me nourrir. Arrêtez de me nourrir, j'ai plus faim. Tu vas finir à quelle heure? Oh, je sais pas, quand je serai fatigué. Ok, on a la big key, nickel. À partir du moment où on a la big key, on peut déjà aller faire le boss, parce que je sais faire des skips de fou. Attention, ne regardez pas le fiac. Ne regardez pas le fiac, les gars. C'est quand même un beau cul, hein. Permettez-moi l'expression, mais c'est un sacré pétard. Mais attends, ça me fume. Wow, il y a deux Gale Boomerang, là. Ok, alors là, je crois qu'il faut faire des jump slash quick spin. En plus, c'est vraiment son point faible, hein. C'est terrible, hein. Putain, c'est dur de lui faire des dégâts avec une épée en bois, mon ref. Non, il m'a touché, merde. Oug. Ok, let's go. Du coup, là, il va y avoir deux Gale Boomerang. C'est bizarre, en vrai. C'est marrant, en vrai. Je trouve ça drôle. C'est ça qui est drôle avec le randomizer, c'est que tu rentres avec le Gale Boomerang dans la salle où t'es censé avoir le Gale Boomerang. Et genre, tu le vois, le mec, il l'a dans ses mains, genre. Ok, vous allez voir le skip de fou. Parce que ici, normalement, on est censé aller chercher le singe à gauche. Moi, j'ai pas le temps d'aller chercher le singe. Voilà, hop. Et normalement, on n'est pas du tout censé arriver à cet endroit-là. Là, on est un peu en dehors des limites du jeu. Enfin, on est toujours dans les limites du jeu, mais je veux dire, on n'est pas censé être là, quoi. C'est comment que je faisais déjà? C'était comme ça, je crois. J'en faisais un ou deux, je sais plus. Moi, j'en faisais deux, je sais plus. Let's go! Je suis trop heureux, je l'ai réussi. Ok. Ah mais avec une épée en bois on fera... Oh si, coup de grâce. Let's go. Bah ça c'est nice. Donc le réceptacle de cœur est aléatoire? Ou alors c'est juste d'apparence, on dirait que c'est un réceptacle de cœur et quand on y va c'est autre chose. Wouhou. Tout ça pour des rubis violets. Bah après on pouvait pas savoir. C'est ça qui est chiant. Moi je vous propose qu'on aille à Cocorico, non? Et alors du coup ici doit y avoir des checks, non? Wouah, il y en a partout mon pote. Bah déjà on va faire ceux du shop je pense, si on peut acheter des trucs. Ok, donc là du coup il y a un Ilian Shield. C'est pas vraiment le Ilian Shield. Wouhou, c'est Unstonks là. Une dinguerie, pitié. Oh! Alors là, excusez-moi. Allez, 200 rubis, pitié. Là, j'investis dans l'NFT, il faut que ça soit rentable. Je vais avoir un rubis bleu, c'est sûr. Waouh, let's go. 200 rubis pour un rubis... Not stonk. J'ai divisé ma somme par 200, là. Ah ouais. Bon, je vais rentrer dans toutes les maisons, hein. Ah, il y a un truc là. Oh, let's...
Let's go. Alors là, on a bien fait d'y aller. Bon, en vrai, ça va juste mettre plus de dégâts. Je vais aller au cimetière. Je crois qu'il y a des trucs au cimetière. Surtout s'il est déjà ouvert. Excusez-moi. Au pied d'un arbre. Non mais je suis ultra chanceux par contre. Non mais c'est très grave là. Je vous jure, j'ai une seed godlike. Hein. Oh là là, on est trop beau. On est Link, bah on est Link normal quoi. On a trouvé la bonne épée, on a trouvé le bouclier IA. Vous avez vu tous les items de malade qu'on a eu dès le début? Je vais me mettre en loup, ça va aller plus vite. C'est tellement bien mec de pouvoir être en loup littéralement partout alors qu'on est même pas à ce stade du jeu. Wesh. Ah ouais mais putain mais je suis censé tous les arrêter là. Non, mais il y en a combien à mes fesses là? Ouais c'est... Oh putain c'est vrai. J'avais pas remarqué que c'était le Song of Healing. Nanana. Oh, j'ai des frissons. C'est incroyable, Zelda, quand même. Hein. C'est tellement un temple gothesque, ça, par contre. Le temple des Mingoron, pour moi, c'est l'un des meilleurs donjons de tous les Zelda. Hein. Mais en plus, regardez, avec l'arc, on peut faire des dingueries. Parce qu'avec les bottes de plomb, on tire plus facilement. Ah ouais, on a un meilleur grip, genre, avec les yep. Ok, let's go. Et là, du coup, avec les bottes, on peut aussi aller au fond de l'eau. Et c'est là où on découvre la mécanique des aimants. Ah, ça, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Wouhou, une âme de spectre. Bon, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. On a eu tellement des dingueries depuis le début. Surtout qu'il y a un coffre juste à côté. Ok, un petit scarabée. Sympa. Hollow Knight. Let's go. On va pouvoir faire Call of Duty. Let's go. Call of Duty. Call of Duty. Et donc en fait là maintenant on peut faire Call of Duty. Et là vous avez vu on va pouvoir viser les murs. Et c'est viseur Call of Duty chez Gotlaya. Je m'amusais trop avec ça quand j'étais petit sur la plaine d'Hyrule. Je shootais à des kilomètres. Ça me régale. Ok, bon on a la grande clé, après on a toujours pas la boussole. Imagine tout ça pour genre un rubis vert, vous imaginez? L'ambiance de ce boss elle est tellement incroyable, j'avais trop kiffé quand j'étais petit. Attends mais c'est une dinguerie parce que non seulement on a l'arc, mais en plus on a eu les bottes de plomb. Non mais attends, on a eu les deux items nécessaires pour faire le donjon mais on est trop fort. Ok là avec les bottes de plomb, hop. Faut faire ça trois fois, hein, bien sûr, Nintendo, j'imagine. Ok, on a terminé le donjon, du coup, nickel. Ok, ok, allons au Lakilia. En plus, je crois qu'il y a Vlalecek au Lakilia. Ah, mais attends, je peux faire le truc des poules, non? Je crois que la meilleure, c'était la poule comme ça, là. Ou la poule marron, je sais plus. Merde, je sais plus. Je crois que c'était elle, la meilleure poule, hein. Celle qui planait le mieux. C'est où? Je suis paumé, là. C'est où qu'il faut atterrir? Ah, c'est là. Je m'en fous des rubis, hein. Ah, mais c'est chiant, tu peux pas faire du surplace avec les poules. Je vais pas avoir tous les coffres. Ouais, j'aurai pas tous les coffres. Faudra que je réessaye. Ok, ça va. Bon, j'ai un bon paquet de coffres, mais faudra que je refasse pour les deux au-dessus. Rubis rouge, ok. Ce qui est bien, c'est que... Parce que tu sais, dans ce mini-jeu, plus t'es haut, plus le coffre, il a de chance d'avoir un truc insane. Sauf que là, bah... Ce qui est bien, c'est que t'as autant de chance d'avoir des trucs insane. Bon, là, par contre, j'ai que des rubis rouges, mais... Wow! Un rubis orange, cette fois-ci. Let's go! Je suis trop chanceux. Ok, bon, il va falloir que je le refasse, du coup. Je vais pas descendre plus vite avec les bottes de plomb. Ah, si, ouais, j'y ai pas pensé. C'est vrai que cette musique, j'avoue, c'était un peu un crime de la skipper. Excusez-moi, j'étais obligé de faire une danse Fortnite. Ok, tombe pas. Ok, imagine une dinguerie. Pourquoi il y a que des rubis rouges partout? Ouais, ok, fragment de cœur. Bon, c'était que de la merde ici, que de la merde. J'ai un peu le seum, mais bon. Mais un service de mon quart de cœur. Ah, quart de cœur qui envoie son Prime Gaming pile quand il y a un quart de cœur. Bizarre. Elle est où, Macaron? Ah, elle est là, Macaron. Désirez me parler? Oh, et du coup, là, j'ai un check pour chaque truc que je vais lui montrer. C'est une dinguerie. Waouh, des flèches, let's go! Bonjour, vous désirez me parler? Tiens, le scarabée! Fragment de cœur. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un insecte, j'étais un peu deg, mais en fait, c'est comme si on avait un check, mais à retardement, quoi. Bon, par contre, c'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment de la merde, là, tous les checks qu'on a, là, si je ne m'abuse. Celui de la forêt est dispo de nuit, je pense, que dans la logique. Celui de la forêt? Il y a pas plein de coffres, même aussi dans la zone brumeuse de mémoire? Où sont les coffres? On va les trouver, hein. Mais il y a pas, il me semblait que quand on terminait. Ah, bah, il y en a un ici. Il me semblait que quand on terminait cette zone, genre quand on terminait le donjon. Ok! En même temps, c'est au début du jeu, tu m'étonnes que ça soit dans la logique. Il y a plein de coffres au désert. Ouais, mais le problème, c'est que dans le désert, on peut pas encore y aller, en fait. Hop là! Je vais totalement payer, là. Oh, il est revenu, le voleur! C'est lui, c'est le voleur! M'en fous, je remplis ma lanterne. Ah, attends, il y a pas les checks de nuit, ici? Si, c'est obligé, non? Attends, déjà, il y a un check là. Ok! C'est pas ultra utile, mais clairement, j'ai bien fait de revenir ici. Est-ce qu'on l'avait déjà fait, lui? Je sais pas si on l'avait déjà fait, lui. Ouais, mais alors là, le problème, c'est que je sais pas si c'est... À quoi sert le boulet? En vrai, y a pas grand-chose, en fait. Enfin, ça nous ouvre rien, quoi. J'aurais carrément préféré le grappin, en fait. C'est la vie, écoutez. Alors, donc, le pilar clip, je crois que c'est ici, hein. Voilà, nickel. Wouhou! J'aime trop ce glitch. Il est pas si dur que ça à faire. Ah, attendez, je crois qu'ici... C'est comment que je faisais? Je crois que c'était comme ça. Comme ça, je faisais... Hop. Voilà, nickel. Voilà, nickel. On est trop fort. Ici, je crois, c'est 1, 2, 3, truc du genre.
Non, c'est 1-2. Ici, espace-les, donc genre là, comme ça. Oh là 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 là. Je sais, ici, avec ce pot, on peut faire un skip de zinzin. Je crois que c'est genre là qu'il faut le poser. Yes! J'ai réussi! Let's go! C'est vraiment rentable de tuer tous ces trucs avec le boulet? Oh les dégâts, mon pote! On l'a fait en un cycle! Ah ouais, il s'est fait défoncer. Normalement, on est censé faire 3 cycles pour lui, hein. Ah ouais! Ok, coccinelle. Et après, à partir de là, pour moi, j'ai fait le tour, hein. Pour moi, j'ai fait le tour des checks, hein. Parce que là, j'ai pas le grappin, je me barre, hein. Ah, mais je suis con, du coup, je peux direct sortir avec Baba. Ah, mais oui! Ouais, on va demander à Baba. Sors-moi de là, Baba. Sors-moi de tes PMP. Touche à mon poste, s'il te plaît, touche-le, mon poste. Alors, du coup, il est où le grotto dont vous me parliez, les gars? C'est au nord de Cocorico, du coup, le grotto? Oh, tu sais quoi, je vais prendre Epona. Ah, ça fait longtemps! On l'avait toujours pas pris, Epona, ça fait plaisir. Ok, là, déjà, il y a un insecte ici. Laissez-moi prendre l'insecte. Non mais les gars, vous avez marché dessus là. Allez vous faire foutre là. Laissez-moi prendre l'insecte. Il m'énerve. Il est où l'insecte? Il s'est barré? Oh, j'ai perdu l'insecte. Ah si, il est là. Ah, il est dur à choper, c'est grave. Allez, il est à mes pieds là. Ok. Waouh. Non mais mec, mais tout est ouvert avec le grappin. No joke, c'était le meilleur item qu'on pouvait avoir avec le sac des bombes. Mais en plus, on peut terminer le donjon qu'on a commencé. Il était donc là, le grappin, putain, c'était un insecte de merde. Heureusement que je me suis fait chier à choper l'insecte, hein. En vrai, maintenant qu'on a le grappin, je vous propose qu'on termine le donjon, non? Vous êtes chaud? Oh là là, j'en ai foutu. J'ai jizz. J'en ai foutu partout en fait. Oh là là, l'item de zinzin. C'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Après, ça va pas nous servir pour énormément de choses. Mais ça peut être insane. Alors, je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais en tout cas, j'ai la clé du boss. Ah, ok, c'est en plein milieu des arbres. Ok, j'avais pas vu. Oh là là, oh la machine à check. On a eu l'amélioration. Let's go! Là! Ok, vas-y, donne-moi tes trucs. Allez, un check ici. Let's go! Enfin, mec, il manquait plus que ça, no joke. Il nous manque quoi? Il nous manque la Master Sword, il nous manque l'air rouage. Il y a quoi là? C'est ici? Celle-là? Faut être une bombe? Peut-être avec le boulet, ça passe. Let's go! Là, c'est obligé, on va trouver des masterclass. Parce qu'apparemment, il y a 15 checks. Donc, on peut potentiellement avoir 15 items de fou. Premier check. Grande bourse. Comme les... What? Énorme bourse. Oh, elle est tellement bien, l'ambiance, avec la petite lanterne et tout, là. Tout chillax. Je crois qu'on n'a jamais autant enchaîné les checks. TKT, devrait y avoir la Master Sword, logiquement. On l'espère. On est déjà à la fin. Il reste encore 2 checks. Ah non! What? Il reste encore une grosse... Ah ouais, ça part ultra loin, là-bas. Let's go! Quoi? Mais attends, il y a quelqu'un qui la call dans le chat! Oh, la dinguerie. Alors... J'ai hurlé, mais je vous avoue, je sais même pas si ça peut nous permettre de faire des trucs supplémentaires. En tout cas, une chose est sûre, on met plus de dégâts. On a un flow monumental. Ah ouais, je débloque le temple du temps avec ça? C'est une dinguerie, hein. La note de la frêle? Attends, donc là, du coup, on peut aller dans le désert? On vient de débloquer le désert? Oh, la dinguerie. C'est quoi, ça? C'est un insecte? Ah! Pardon. Excusez-moi. Wow. Mais on a l'item pour faire tout le donjon. Oh la dinguerie. Bah en vrai, c'était le dernier gros item qui nous manquait, hein. Elle est où la grotte ici? Y en a une ici, genre? Ah non, ça c'est la caverne de Lord Ali, non? Mais mec, attends, je reconnais ça, on va tous les sniper. Attendez. J'essaie de faire un quickscope. Je m'amusais trop avec ça quand j'étais petit sur la plaine d'Hyrule. Je shootais à des kilomètres. En plus, on a l'aérouage. Mais qu'est-ce que c'est bien l'aérouage? Regardez-moi ça, on tourne. C'est tellement un item. No joke, je n'ai jamais vu aussi bon item que l'aérouage. C'est l'un des meilleurs items de Zelda. Regardez, on peut attaquer avec. Regardez, Beyblade. Ok, bon là j'ai un peu fait de la merde, mais. Ok, un check ici. Encore, mais j'en peux plus, des pleins de lanternes. C'est bon, elle est pleine, ma lanterne, là. Putain, tout ça pour un rubis rouge de merde, quoi. C'est trop grave, il y avait rien dans cette caverne d'Ordali. Allez, donne-moi une dingue. Il y a pas un grotto en même temps? Ah si, il y a une grotte en même temps. Putain, il y a v'là les checks, hein. Ici, je pense qu'avec la lanterne, on peut en créer un. T'as fait le jeu de la pêche au lac Ilia? Ouais, je l'ai fait. Non, c'est trop grave, Excalibur de lumière! Bah, c'est un check nécessaire. Voilà, on vient de l'activer, Excalibur de lumière, il nous le fallait pour terminer le jeu. C'est bon, j'ai fait tous les checks, là, du désert? Y a plus rien? C'est finito? J'ai tout fait? Rouage? On fait quoi avec le rouage? Ah oui, on peut passer à gauche? Ah non? Attends. Ah ouais, mais je l'ai déjà. Du coup, ça rend tout le début totalement bidon, je suis mort. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire ici, déjà? Il faut pas cut toutes les cordes, je crois? Si, c'est ça. Ok, rush-moi.
Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de faire les bruits de Steve en bêta 1.0. Ok, nickel. Des cœurs, une fée, ouvrir. Ok, let's go le boss de Zinzin. Oh, masterclass. Ok, là il faut faire des quick spin. Oh là là, on l'a one cycle, let's go. Elle parle en quelle langue vous pensez, Midona? Elle parle le Animal Crossing, vous pensez à faire... J'imite bien ou pas? Oh, vous avez vu, regardez, mon épée elle brille. C'est trop stylé. Je one shot les créatures des ombres, c'est incroyable. Attends, y'a pas une cinématique? Ah oui, ben non, on a qu'une seule partie en fait du miroir des ombres, bah oui, suis-je bête. Ouais, d'accord, là il manque plus que Celestia à faire, non? Ah mais là, on peut pas grimper, si. Let's go! Incroyable. Non! Mais non! Oh la masterclass! Ok, le double Graps, le double Graps. Bah nickel, grâce à ça, on va pouvoir faire Celestia, en fait. Là, peut-être? Oh là là, mec! On peut le faire. Faut que je fasse que... Ouh, j'ai réussi, là, non? Oh là là, quel régu, quoi, bref... Oh là là, Midona, qu'est-ce qu'elle est forte quand même, hein. Midona foudroie la force des Jedi, hein, si je puis me permettre, hein. Elle littéralement, elle téléporte un canon, en fait, hein. La force des Jedi n'a qu'à bien se tenir. Et donc, faut demander au Boog qu'il le répare, c'est ça? Et c'est cher de fou, non? Et il passe jour et nuit, je m'en rappelle. Il y a la cutscene où il passe toute la nuit. C'est quoi ce canon, mon gars, que tu m'as ramené? Eh, tu vas pas me le montrer? Ça a l'air d'être un canon pas piqué des hannetons. Ok, Amixem. Excusez-moi, Amixem qui prend sa balle perdue. Beau canon. Avec du temps et du matériel, je pourrais le réparer, mais c'est pas gratuit tout ça. Et c'est pour ça que... sponsorise cette vidéo. Non, 308, ça va. Ça, c'est une dinguerie quand même. Quand il m'avait dit, il peut t'emmener dans les cieux, comment j'étais trop heureux. C'est la seule manière pour avoir... Oh! Mais quoi? Mais encore un sac de bombes? Mais monsieur, mais arrêtez, c'est la cité des sacs de bombes. Stoppez-vous là, par pitié, genre. Ça veut dire par contre que je peux porter littéralement... Oh la dinguerie! En même temps que tu chopes un sac de bombes, ça te remplit les bombes. Oh la dinguerie! C'est trop stylé ça. Ah oui, si, ok, je m'en rappelle ça. Ça c'est la première phase, c'est assez tranquille. T'as juste à le faire tomber plusieurs fois comme ça. Genre là, je suis bien derrière. Et là, on peut le grab, je pense. Voilà. Voilà. Ok. Oh là là, le miroir avec la petite musique derrière. Ah, je vous jure, j'ai des frissons. Quelle vie d'être un fan de Zelda, quand même. Comment ne pas aimer Zelda, hein? Je vous le demande. Oh là là, regardez-moi ça. L'épée de lumière. Du coup, je suis censé aller où, là? À gauche? Ou je peux déjà skip la moitié? Ah non, je crois que je peux déjà aller au milieu, non? Oh oui, je peux déjà foncer au milieu, vu que j'ai déjà l'épée de lumière. Oh, alors ça, c'est une dinguerie. Alors là, le meilleur boss de tous les temps, if I speak, hein. No joke, ce combat, il est tellement incroyable. Ça reprend un peu toutes les fonctionnalités. Enfin, ça rappelle un peu tous les boss, mais de manière totalement... c'est tellement habile, je trouve. Perso, je vois une petite inspiration pour Koga avec ce perso. Bah oui, oui, c'est clair. Ah oui, bien sûr, mais totalement. Mais totalement, bien sûr. Wow, je dois pas trop... Qu'est-ce que je dois faire? Ah là, il est fatigué. Voilà. Ok. Ok, nice, on a pas passé trop de temps sur la partie de l'eau. Ok, c'est la dernière phase. C'est tellement dur de faire Xanto sans prendre de dégâts. Ok. Ouh. Bon, on a plus qu'à foncer au château, là. Hein. This is the end. Merci pour les travaux, Midona, je vais m'occuper du reste. C'est sa forme la plus sexy. Ah, plus sexy que celle dans les crédits. Hein. Oh, tous les coffres. Putain, je crois que j'ai jamais été dans cette salle, ça me dit rien. Âme de spectre. Fragment de cœur. Oh, le nombre de checks, mon pote. J'aurais bien aimé avoir une salle comme ça un peu plus tôt. Toujours pas clé du boss, là, je me chie un peu dessus, là, je vous avoue. Allô, la clé du boss? Oh, J'ai quand même envie de checker le reste. Peut-être il y aura une petite armure magique, sait-on jamais. Petite armure magique, je vous avoue que ça me ferait plaisir. Alors peut-être. Alors peut-être. Oh putain, le jingle m'a bait. Open the door. Allez, Zelda. Ok, ping-pong. Voilà. Ok. Oh, la queue m'a empêché de passer. Gauche-droite, 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 gauche-droite. Tombe.
Ok, nickel. Finito, finito, le pic Ganon. La phase 3, je la trouve stylée, mais un peu relou. Alors, je vais vous donner une fun fact sur la partie sur la phase 3, mais je vais vous l'expliquer que quand on y sera. Zelda! Désolé, Zelda, mais bon. Midona, bref. Oh là là, la cinématique de zinzin. Donc du coup, le fun fact, peut-être que vous avez galéré de fou quand vous étiez petit sur ce boss, parce que Zelda, nanana, elle s'est pas visée, Zelda. Mais sachez que si Zelda est vise à côté, c'est juste parce que, en fait, vous êtes mauvais. Pour la simple et bonne raison que, en fait, Zelda vise à l'endroit où vous mettez votre joystick. Voilà, donc là, par exemple, je mets mon joystick comme il faut et ça vise bien. Et voilà, et oui, tu es à droit. Ah, ça, c'est ma partie préférée, mec, le 1v1 contre Ganondorf. C'est vraiment juste combat au sommet, quoi. À nous deux, Ganondorf, ramène-toi! Comment ça, canne à pêche? Pourquoi tout le monde dit canne à pêche? C'est même pas du troll? Hein? Oh, what? Ça l'a distrait? Oh, je suis mort! Oh, putain, je savais pas! Oh, c'est aberrant, what the fuck? Je suis mort, il se laisse distraire par la... Let's go! Le time! Ganondorf est mort! J'ai juste envie de rester pour voir la vraie forme de Midona. On a failli faire 24 heures, hein, putain. C'était incroyable. J'ai vraiment trop kiffé cette aventure. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de randomizer comme celui-ci. Je pense que le prochain que je vais faire... Allez, vous savez quoi? À 10 000 likes, j'en fais un sur Wind Waker, ok? Midona! Oh là 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 là! La reine. Non, Midona à la fin, elle est grotesque, hein. Quand tu découvres comme ça... Ouais, oh, il a le smile carrément, Link. Bref, merci d'avoir regardé. Bye bye. Ciao.